Marina, ça sent quoi la mouillure? Hein? Un 15-4? Contente, Marina. 16, Pascal Nègre. Oui, c'est un super duo. Pourquoi? Parce que d'abord, Patchy, et on est en train de découvrir ça, le premier album de Patchy, c'est ce qu'on découvre, c'est un vrai auteur, c'est quelqu'un qui a réussi à trouver les mots qu'il a envie de chanter, et ce qui est génial, c'est que Marina, c'est exactement la même chose, on est vraiment sur les mots, sur le plaisir des mots, et donc le duo fonctionnait remarquablement bien, c'était vraiment un très très beau moment. Bravo en tout cas Marina, bravo à Patchy, et merci beaucoup. Allez, le spectacle continue en direct avec Ludovic et Brice, qui rendent hommage ce soir au crooner Barry White. Vous êtes prêts pour danser? Et vous allez voir qu'on peut faire danser avec un orchestre philharmonique. Les petits savent le faire. Ils sont prêts, ils sont montés à bloc. Et si vous l'êtes aussi, c'est parti. 3, 2, 1, maintenant! My first, my last, my everything. And the answer to all my dreams. You're my sun, my moon, my guiding star. My kind of wonderful, yeah, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way could I've made you. You're all I live for. Your love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. I found so many things. A love so new, only you could bring. Can't you see if you? Can't you see if you? You make me feel this way. You're like a first morning dew on a brand new day. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything. Ils l'ont mis. Allez, chose promise, chose due. J'ai une petite surprise pour vous. Venez, les garçons. Chose promise, chose due. Il est temps de découvrir la promesse du taulier. Le message de Johnny Hallyday pour vous. Regardez. Bonsoir. Je ne peux pas vous parler en direct parce que, comme vous le savez, je suis sur scène en ce moment même. Je vous disais tout à l'heure que j'ai une surprise pour vous. J'invite demain soir deux élèves à venir avec moi en coulisses à Bercy
et à assister à mon spectacle. Ces deux élèves sont Brice et Ludovic. Alors, à demain soir, les gars. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est énorme. Énorme. Quelques minutes avant de monter sur scène, je vous envoie un petit message. Et vous attend surtout demain. Vous êtes content? Non. Si. Alors dites-le. Je suis très content. Je suis ravi. Ravi de... C'est énorme de rencontrer un chanteur comme Johnny. Johnny Hallyday qui sera avec nous la semaine prochaine sur le plateau et qui sera en direct demain pour son concert en direct de Bercy à 20h50 sur TF1. Allez, on va faire un petit récapitulatif des notes. Quel est l'élève qui est tout en haut du classement? Voici le résultat des courses. Cyril, 17-8. Cynthia en deuxième position, 16-8. Très beau duo avec Patrick Bruel en ouverture. 15-6 pour Dominique, qui a chanté avec Tina Arena. Égalité avec Elfie, 15-6, qui a chanté avec Cesaria Evora. Marina, 15-4. On vient de la voir avec Pachi, c'est pas mal, hein, franchement. Ludovic, 6e avec 15. On va voir tout de suite la suite du classement. 7e position, Brice, 14-8. Il avait chanté avec Patrick Bruel. Nicolas, 14-6. Envole-moi. David, 14. Bastien, 13-8. Jean-Charles, 13-8. Et la petite dernière, la Benjamine, 12-4. Judith, elle a pris quand même le plus de risques et on doit franchement l'applaudir. Mais souhaiter un bon courage pour cette semaine qui s'annonce difficile pour elle. Je vous rappelle que la grande tournée de la Staraxis, c'est plus de dates, plus de villes. La tournée passera entre autres par Fontenay-le-Comte, Beauvais, Saint-Quentin, Besançon, Angoulême et beaucoup d'autres villes encore. Le top départ, c'est le 17 mars prochain à Amnéville, cette grande salle magnifique. Sans oublier Bercy. Hey, vous allez faire Bercy, prenez un peu la... ce qui se passe, un petit peu l'ambiance demain avec Johnny à Bercy. Ça sera pour vous, Bercy, le 27 avril 2007. Vous pouvez à la maison déjà commencer à réserver vos places. Mesdames et messieurs, c'est la fin des votes et le temps de comptabiliser vos voix. On retrouve Cynthia qui a ouvert l'émission avec Patrick Bruel tout à l'heure. Elle va la clore en chantant avec une artiste qui ose parler d'amour. Tina Arena et Cynthia chantent. Tu aurais dû me dire. Tu aurais dû me dire.
Thank you. Merci. Tina Arena. Thank you. Merci. Chante avec Cynthia. Venez me rejoindre, princesse. Tu vois comme elle est belle. Et comme vous, elle est belle. Mais tous les filles ce soir. On est content en tous les cas. Votre album Un autre univers, tout en français, déjà disque de platine. Le single Oser parler d'amour. Parce qu'il y a deux titres sur le single. Oui, il a décidé, Robert a décidé de donner la chanson deux titres. Il faut peut-être demander à lui pourquoi, parce que moi j'ai aucune idée. Oui, la seule chose que vous faites, c'est donner deux fois plus d'amour, et c'est important. Mmh. Tina Arena, le single Oser parler d'amour sera en vente dès le 23 octobre. Merci Tina, merci. Merci à vous, merci tout le monde, bonne continuation. Tina Arena. Mesdames et messieurs, le verdict du public. Les votes ont été comptabilisés sous le contrôle de l'huissier Maître Moya. Venez Gaël. Venez Faustine. Céline a essayé jusqu'au bout de revenir, mais elle ne sent pas très bien. Elle était là il y a encore quelques secondes à côté de vous, mais elle est partie, elle est très faible ce soir. On va déjà découvrir vos votes. Et on en parle dans un instant, peut-être que vous avez plus d'informations. C'est Gaël qui est sauvé par le public. Gaël, le public vous aime, mon garçon. Ça va? C'est incroyable. 71,9% des votes du public derrière Faustine. Dans la dernière position, Céline, venez, venez. Allez rejoindre vos camarades. Alors, c'est un peu particulier ce soir parce que Céline n'était pas suffisamment en forme pour être sur le plateau. Elle était souffrante. Ludovic, on m'a dit il y a quelques secondes en régie que vous aviez quelque chose à annoncer. Voilà Céline, j'espère que tu m'écoutes. Je prends la parole au nom de tout le groupe. C'est avec grand regret que je dois t'annoncer ça. Il nous semble bon que pour toi, étant donné que tu n'es pas bien, que tu as hâte de revoir ta famille, on t'offre la possibilité de partir du château et d'être avec les tiens, de te remettre en forme, de prendre le temps et d'avoir toute l'affection de ta famille et de tes proches, et sache que c'est avec un grand regret que je t'annonce ça au nom de tout le monde, et c'est avec grand amour que je te le dis, et je te porte dans mon cœur et dans le cœur de tout le groupe. Écoutez, c'est une information importante qui change la donne ce soir. Ça veut dire concrètement que Céline abandonne l'aventure, qu'elle a craqué. C'est pas un abandon, c'est juste qu'on lui offre elle la possibilité. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Vous êtes tous d'accord? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Ouais. À l'unanimité. Ouais. Alexia, Faustine repart donc au château ce soir avec ses camarades. Voilà, Faustine repart au château et c'est vrai que Ludovic a raison de le dire, ça n'est pas un abandon. Je pense que c'est une décision, c'est vrai qu'elle souhaitait partir, elle a essayé jusqu'au bout de venir voir le public et était spectateur. Voilà, elle n'est pas arrivée, elle est avec les médecins et je pense qu'elle est d'accord avec la décision de Ludovic et du reste du groupe. Voilà, c'est fait. Le public, en tout cas, encourage. On t'aime, Céline. On t'aime de la part de tout le groupe, de ma part à moi. C'est avec grand regret, mais on t'aime énormément. Et rétablis-toi bien et vite. Bisous. On lui souhaite aussi un bon rétablissement à la petite Céline. On en reparlera, bien évidemment, en direct, dimanche à 18h sur notre quotidienne. Il est temps de nous quitter. Rendez-vous la semaine prochaine. Faustine a eu chaud. Elle repart au château ce soir. C'est un peu particulier, mais ça fait partie de la vie et de l'aventure Starac. Star Academy continue, les élèves ne sont plus que 14, on se retrouve dès demain pour la quotidienne et dimanche en direct à partir de Tamarigalis. Merci de fidélité, merci aux artistes Patrick Bruel, Césaria Evora, Tina Arena, Pachi, Tribal King et à vous, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et à vous, cher public, plus de 1000 personnes, tf1.fr, www.tf1.fr, on vous attend, ciao, ça continue.